Alors, on se heurte à une nouvelle réalité. Ce sont les déclarations du gouvernement. Le président de la République, lors de sa campagne électorale, avait mis, de façon assez judicieuse d'ailleurs, le très haut débit au cœur de la campagne. Avec des ambiguïtés entre très haut débit, fibre, voilà, on parlait de débit confortable à l'époque. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit clairement, le haut débit, 8 mégabits secondes, en 2020, pour tous, le très haut débit qualifié à 30 pour 2022, et la fibre pour tous en 2025. Je rappelle notre calendrier, c'était les propos de Julien de Normandie dans l'hémicycle à l'Assemblée. Nous, c'est 2030. On voit les décalages, on voit ce que vous faites, monsieur, en Mayenne. En Mayenne, 2021, l'ensemble du département est fibré. 100 000 prises. Certes, mais l'ensemble du département, dans une structure départementale où il y a des correspondances, l'habitat est dispersé, on a des choses qui se ressemblent. 2021, si demain j'ai des choix d'implantation entre ne serait-ce qu'à la frontière de l'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne, c'est un élément. Donc je reste convaincu que dans cette affaire, il faut changer de braquet, il faut changer de vitesse.